Et on va passer maintenant à une deuxième battle sur un thème différent et sur un format différent. On va parler d'un domaine qui est en pleine explosion aujourd'hui, les intelligences artificielles. On entend parler de plus en plus des IA. AlphaGo, qui a battu un champion du jeu de Go, Facebook, qui veut impliquer des IA pour répondre à nos questions, Google, qui veut développer une IA pour composer de la musique, mais on ne sait pas jusqu'où l'intelligence artificielle peut aller. Mais peut-elle dépasser l'intelligence humaine? Ce sera la question de cette battle. Mais comme on ne pouvait pas inviter une IA sur scène pour y répondre, on accueille deux experts humains pour cette deuxième battle. Donc j'accueille Pierre-Antoine Gouraud et Florian Richou. Pierre-Antoine Gouraud, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes professeur des universités et praticien hospitalier à l'Université de Nantes. Vous êtes également professeur associé du département de neurologie à l'Université de Californie San Francisco. Et vous êtes un spécialiste des questions de recherche numérique et de médecine personnalisée. J'ai tout bon ? Tout à fait. Florian Richou, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence au LINA, le laboratoire d'informatique de Nantes Atlantique, à l'Université de Nantes. Et vous êtes également chercheur invité au laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. Tout à fait. Et cette fois, vous allez voter avant la battle. Alors, pas entre Pierre-Antoine Gouraud et Florian Richou, bien sûr, mais vous allez voter avant la battle pour savoir qui est la plus forte, à votre avis, entre l'IA et l'intelligence humaine. Pour voter, le fonctionnement est le même. Le numéro s'affiche encore à l'écran, le 06 06 88 44 00. Et la question est... L'intelligence artificielle peut-elle dépasser l'intelligence humaine? Et donc, il y a quatre réponses. Il faut envoyer 1, 2, 3 ou 4. Pas la peine de taper la réponse en entier. Donc, 1 pour oui, c'est déjà le cas. L'intelligence artificielle a dépassé l'intelligence humaine. 2 pour non, pas encore, mais oui, bientôt. 3 pour non, c'est impossible que les IA dépassent les humains. Et 4 pour elles ne sont absolument pas comparables. Donc, vous avez 45 secondes. Pour donner votre avis sur la question. Vous pouvez voter si vous voulez. Je répète le numéro, le 06 06 88 44 00. Il vous reste 10 secondes pour voter. Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Le temps est écoulé. Donc nous avons des résultats assez mitigés sur le présent, futur, proche. Vous êtes quand même peu nombreux à les rendre incomparables et très peu nombreux à penser que l'homme aura toujours son avantage par rapport aux IA. On vous reposera la même question à la fin de la battle, une fois que nos deux experts seront intervenus. Et le format de la battle va être différent du premier. Cette fois, j'ai choisi 5 images que nos deux spécialistes ne connaissent pas, et ils auront chacun leur tour 1 minute pour réagir à chaque image. Première image. Alors, qui devrait s'afficher à l'écran, voilà. Première image, on parle d'intelligence artificielle et d'intelligence humaine, mais comment on peut les définir? Florian Richou, un premier commentaire. Alors, vous prenez 10 chercheurs en intelligence artificielle, je vais dire IA maintenant, parce que c'est plus rapide, et ben vous aurez 10 réponses différentes sur qu'est-ce que l'IA. Alors, la mienne, pour moi, l'IA, c'est un ensemble de théories et de techniques qui permettent de mécaniser la cognition. Alors la cognition, c'est quoi? C'est simplement le fait de faire un effort intellectuel pour réfléchir, penser, comprendre ce qui nous entoure, pour interagir avec les autres, pour apprendre. Voilà, ce genre de choses, c'est de la cognition. Et donc la mécaniser, ça signifie qu'une machine, comme un ordinateur, puisse donc
faire de la cognition. Pierre-Antoine Gouraud, un commentaire. Alors c'est une très belle image. Elle insiste sur deux aspects essentiels qui sont le cœur de l'intelligence artificielle. C'est d'abord un modèle mathématique, une représentation nécessairement réductrice. C'est une représentation un peu réductrice de ce qu'est un cerveau. Et puis, on voit bien avec ce microprocesseur au milieu que c'est le deuxième élément important de l'intelligence artificielle, c'est une puissance de calcul. Donc, on est au cœur de cette intelligence artificielle qui combine modèle mathématique, nécessairement réducteur, et puissance de calcul. Et pour aller un peu plus loin, après, je crois qu'il faut comprendre cette intelligence artificielle dans le contexte des applications qui vont être mobilisées. Deuxième image. Donc ce qu'on voit à l'écran, c'est un assemblage de 48 puces biomorphiques constituées par IBM. L'ensemble ici comporte 48 millions de neurones artificiels. C'est l'équivalent d'un cerveau de souris. Alors, est-ce qu'on peut refaire un cerveau humain de la même façon ? Pierre-Arnaud Gouraud ? Alors, le cerveau humain, justement, moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'il est beaucoup plus fort. Un cerveau humain, ça pèse un peu moins d'un kilo. Hein. Si c'est une machine, alors on peut quand même s'émerveiller en biologiste du caractère extraordinaire de cette machine. C'est tout petit. Ça vit des dizaines et des dizaines d'années. Ça se répare tout seul, ça se développe tout seul. Et pour être un peu écolo avec vous cet après-midi, c'est extraordinaire, ça consomme quelques grammes de glucose, alors que les puces, là, ça va chauffer, ça va consommer plein d'électricité. Donc je voudrais m'émerveiller avec vous, dire voilà, ce vivant, le cerveau produit dans le vivant, chez une souris ou chez un être humain, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et alors quand même, oui au progrès technologique, oui à l'intelligence artificielle, qui vont permettre de faire des choses plus vite, de manière plus automatique, peut-être d'en faire davantage que le cerveau humain ne pourrait en faire à un moment donné, avec plein d'applications en radiologie, en chirurgie, pour le diagnostic. Eh bien, les ordinateurs sont là pour prolonger notre intelligence humaine et nos savoirs. Florian Richoux, qu'est-ce que ça vous inspire, une image comme ça ? Pas grand-chose. Mais ce que je peux dire, c'est que les chercheurs en IA, en général, sont d'accord pour dire que l'IA ne cherche pas vraiment à copier le cerveau humain, ou même l'intelligence humaine d'ailleurs, mais plutôt de s'en inspirer. Et je vais reprendre, alors j'ai très peu de temps, mais je vais essayer, challenge, je vais reprendre un petit morceau de la leçon inaugurale de Yann Lequin au Collège de France, où il avait pris une très belle analogie, pour dire justement qu'il ne faut pas s'inspirer... Enfin, il ne faut pas essayer de mimer, de copier le cerveau humain. Il a pris l'exemple de l'aviation. Un avion, ça ne ressemble pas à un oiseau, tout simplement. Ça n'a pas de plumes sur les ailes, ça ne bat pas des ailes. Au début, on a essayé de faire des trucs comme ça s'est crashé. Voilà. Et on a des avions qui volent formidablement bien sans dessous tout ça. Eh ben, l'IA, c'est la même chose. On s'inspire, mais on ne copie pas. Très bien. Troisième image. On va maintenant s'intéresser au contexte et aux applications. Ce qu'on voit ici, c'est Deep Blue, quand il a battu le champion mondial d'échecs Garry Kasparov en 1997. Bon, alors Deep Blue n'est peut-être pas une IA, peut-être que si, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir est-ce qu'il y a des domaines d'application précis où les IA ont dépassé les humains, et est-ce qu'il y a des domaines où les IA ne dépasseront jamais les humains. Florian Richoux. Alors, des domaines où l'IA a dépassé l'humain, oui, il y en a un très récent, par exemple, les IA reconnaissent mieux les images que les êtres humains. Un être humain fait environ un taux d'erreur de 5-6% sur la reconnaissance d'images. Donc vous prenez des photos avec des objets dessus, des voitures, des avions encore, ou des maisons, ce genre de choses. Et des photos, bien sûr, un peu floues, un peu mal cadrées. Et bon, voilà, on se trompe un peu, c'est un peu normal. Eh bien, aujourd'hui, on a des IA qui font moins d'erreurs que nous. Donc là-dessus, elles nous battent. Ensuite, la deuxième partie de la question, c'était Est-ce qu'à l'inverse, il y a des domaines où les humains sont largement en avance sur les IA ? Bah, pratiquement tout le reste. Pour l'instant, on a des IA qui battent des champions du monde aux échecs, au Go. Vous demandez, par exemple, à l'IA du Go de jouer aux échecs, elle en est absolument incapable. Voilà. Il y a une image que j'ai bien aimée. Je déborde un petit peu. Hein. Oui, voilà. Il y a une image que j'ai bien aimée sur Twitter.
C'était une photo de Lee Sedol, donc le champion de Go qui a joué et perdu contre AlphaGo. C'était après le cinquième match et il y avait marqué donc que Lee Sedol avait perdu contre AlphaGo, mais Lee Sedol reste meilleur dans absolument tout et n'importe quoi par rapport à AlphaGo. Et on le voyait en train de jouer avec sa fille. Voilà, très belle image. Pierre-Antoine Gouraud, les IA dans le contexte. Je vais essayer d'être très court. Alors, c'est à la fois très impressionnant et pas très impressionnant. Un jeu d'échecs, même un jeu de Go, c'est un ensemble de règles qui sont assez contraintes. Il n'y a pas de surprise. Soigner un patient, prescrire un médicament, détecter une lésion cérébrale, c'est plus compliqué. Savoir quelle dimension de la santé on va retenir pour prendre une décision, c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est extraordinaire de voir que les ordinateurs nous aident à mettre à disposition de la connaissance, qu'ils peuvent faire des calculs et aller plus vite qu'un cerveau humain. Très bien. Mais il y a encore beaucoup de choses auxquelles, effectivement, le raisonnement ne se prête pas complètement. Quatrième image. Alors, il s'agit d'un petit robot humanoïde qui va apparaître à l'écran, qui s'appelle iCube et qui a été développé en 2006, c'est un projet collaboratif. Et son but, c'est d'étudier la cognition développementale robotique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le robot, il est censé apprendre comment manipuler des objets qu'il n'a jamais vus, dont il ne connaît pas le fonctionnement, un peu comme un enfant qui apprend à mettre des objets dans des cases avec des formes carrées, rondes, triangulaires. Alors, ici, l'image, elle a un double sens. Est-ce que l'ordinateur, l'IA, peut apprendre comme l'humain? Et est-ce que l'humain peut utiliser l'ordinateur pour mieux comprendre comment lui-même fonctionne? Pierre-Antoine Gouraud. Beaucoup moins émouvant que mes enfants qui jouent avec une balle. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on demande aux robots, aux ordinateurs, et finalement dans quelle mesure on peut, on doit, ou on doit résister au fait de déléguer nos tâches, nos raisonnements, nos décisions à des robots, à des algorithmes. Et finalement se rendre compte que la valeur éthique de l'intelligence artificielle, des utilisations que l'on fait de la technique, elle est toujours qualifiée par le contexte, par les usages. Et c'est en fait une occasion pour l'humain de se réapproprier ses décisions et son destin. Florian Richoux. Alors pour répondre à la question, est-ce que les IA actuellement apprennent un petit peu comme les enfants? Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, pas vraiment. Les méthodes d'IA pour l'instant s'inspirent mais ne copient pas le fonctionnement humain. Déjà tout simplement parce qu'on ne comprend pas. On ne sait pas comment apprend un enfant, donc on aurait du mal à le copier. Pour aller au-delà de ça, une chose est certaine, c'est que les êtres humains quand même apprennent rapidement, les machines pas trop. Alors, ok, on va reprendre l'exemple de Go. AlphaGo a appris à battre un des meilleurs joueurs du monde en l'espace de quelques mois. C'est vrai, mais en l'espace de quelques mois, cette IA a joué des millions et des millions de parties, ce qu'aucun être humain ne peut faire au cours de sa vie. Donc voilà, l'apprentissage est différent. Et ça n'apprend pas comme les enfants. Et une dernière image pour finir. Il s'agit d'un ordinateur quantique. Alors j'aurais pu aussi mettre une image d'un ordinateur biologique basé sur l'ADN. Ces ordinateurs, ces révolutions informatiques, est-ce que ça va influencer le développement des IA et les usages des IA dans un futur proche? Florian Richoux. Alors, si un jour on a réellement des ordinateurs quantiques, oui, très certainement. Il faut déjà répondre à la première question. Est-ce qu'on aura un jour des ordinateurs quantiques? Alors là, je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas trop me pencher dessus. Maintenant, oui, ça va fondamentalement changer la notion de calcul et d'algorithme. Et donc, oui, bien sûr, il va y avoir un gros impact sur l'IA. Pierre-Antoine Gouraud. Alors, formidable, un nouvel ordinateur, un nouveau joujou qui va peut-être aller un petit peu au-delà de le courant passe pas, même s'il le fait beaucoup. Et pour moi, une fois encore, ce sera l'occasion de marquer la différence avec le vivant. Le vivant, c'est quelque part entre le cristal et la fumée, comme disait Henri Atlan. Le vivant, c'est le mouvant, comme je le répète souvent dans les amphithéâtres de l'Université de Nantes. Et finalement, tous ces ordinateurs n'ont peut-être pas ce côté un petit peu mou qu'a le vivant, qui s'adapte à son environnement, qui prend des décisions en intégrant l'imprévu.
Et ça, je crois que ça souligne encore que le vivant a un long avenir devant lui. Merci à tous les deux. Maintenant, on va repasser à un deuxième vote. Donc, vous avez entendu les commentaires de nos deux spécialistes, médecine, informaticien, sur les IA. Le numéro de téléphone est le même qu'avant, le 06 06 88 44 00. La question est la même, elle va s'afficher à l'écran dans un instant. Pensez-vous que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine? Et donc, il y a toujours les mêmes quatre réponses. Donc, nos invités essayent de vous influencer chacun à leur manière. Les quatre réponses étant les mêmes. Oui, c'est déjà le cas pour le 1. 2, non pour le moment, mais oui, dans un futur proche. 3, pour non jamais. Et 4, elles ne sont pas comparables. Je rappelle le numéro 06 06 88 44 00. Et vous avez 45 secondes pour voter. Ou 5, on n'en sait rien. Alors malheureusement, on n'a pas d'IA qui peut voter. Enfin, pas pour le moment, ou pas à notre connaissance. Il vous reste 10 secondes. Hein. Cinq, quatre, et là voilà, 3, 2, 1, 0. Les réponses s'affichent, et ben on peut voir que votre intervention a bien influencé la vie du public. Maintenant, vous êtes majoritairement pensant qu'elles ne sont pas comparables. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Thank you.